Être chrétien, ça veut dire quoi ? Sixième lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, électeurs auditeurs inconnus. Dans ma précédente lettre, je vous ai donné la première des trois clés qui ouvrent les portes des Écritures saintes. Voici la seconde clé. Comme vous allez le voir, elle s'inscrit de façon logique dans l'esprit de la première. Je vous rappelle que cette première clé consiste à prendre conscience qu'un texte révélé ne s'aborde pas comme un roman ou un livre d'histoire, que le domaine spirituel est fondamentalement différent du domaine intellectuel, ou si vous préférez, qu'on ne se rend pas à l'opéra dans le même état d'esprit que lorsqu'on va voir un match de foot. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est ce que j'ai voulu exprimer avec le verset que j'ai commenté. Cette seconde clé, l'apôtre Jean la donne à la fin de son évangile. Jésus, écrit-il, a accompli en présence des disciples encore bien d'autres signes, qui ne sont pas relatés dans ce livre. Ceux-là l'ont été pour que vous croyiez. Petit commentaire sur l'expression « pour que vous croyiez ». Contrairement à ce que nous pourrions penser de nos jours, où le verbe « croire » s'est tellement affadi que trop souvent lorsqu'on dit « je crois », on se limite à dire, sous la plume de Jean, l'expression « pour que vous croyiez » signifie « pour que vous adhériez à ce que vous avez lu et agissiez en conséquence ». Son sens ne se réduit donc pas à se contenter d'enchaîner des instants d'existence les uns après les autres, jusqu'à l'heure de notre mort, en pratiquant entre-temps quelques rites culturels. Il veut dire « pour que vous viviez » avec un grand V. L'objectif est extrêmement fort. Réflexion finale de Jean, qui est à élargir de la façon suivante. Tout texte révélé que nous avons sous nos yeux a été sélectionné dans un but précis, nous transmettre un enseignement. Il est peut-être facile à lire et à retenir, mais sa finalité est autre. Il est en général le rez-de-chaussée d'une maison où nous attend au premier étage celui auquel nous rendons visite et qui, pour nous nourrir, nous a invités à venir partager son repas. Sur le plan pratique, si vous voulez vraiment avoir accès à ce que veut dire un passage d'évangile, par exemple, vous ne devez pas rester au rez-de-chaussée, mais emprunter les escaliers qui montent au premier étage où est servi le repas. Je n'ai pas dit prendre l'ascenseur, qui est réservé aux habitués de la maison. J'ai dit les escaliers. Je n'ai pas dit non plus de les monter 4 à 4, parce que lorsqu'on va trop vite, on n'a pas le calme requis pour apprécier la façon dont la demeure a été décorée. Non, montez l'escalier marche après marche, en prenant votre temps, en vous demandant à chaque marche, c'est-à-dire à chaque verset, ce texte que je suis en train de lire, qu'est-ce qu'il veut me dire ? Il y a 7 siècles, un saint, dont vous avez sans doute entendu parler, François d'Assise, entreprenait chaque matin de s'élever à ce premier étage. Il s'y prenait de la façon suivante. Il ouvrait ses évangiles au hasard, portait ensuite son doigt toujours au hasard sur la page qu'il avait ouverte et méditait le verset sur lequel il était tombé tout au long de la journée. Ceci pour vous dire la richesse qui se trouve dans les textes saints. Je vous invite à les parcourir à cette allure. Vous verrez, vous serez surpris de ce que vous découvrirez. La prochaine fois, je vous donnerai la troisième clé. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer « Auditeur YouTube », vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.